Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez très bien. Voilà, je fais ce live pour soutenir la rose du 237. Je fais ce live pour soutenir la rose du 237 qui est victime de jalousie et de sorcellerie. Dans la rose, faut même plus répondre aux gens là. Tu comprends? La rose, l'air au pompe. Le pompe aux sorciers. La rose du 237. Ne réponds plus à tous ces gens-là. Les sorcières. Les sorcières. Tu comprends? Junior Mangambarga, salut. On dit que Lolo a fait quoi? Que Lolo a fait quoi? Tuer quelqu'un? Merci. Que Lolo a fait quoi?
Lolo, Lolo, explique-nous un peu l'affaire de. Explique-nous un peu l'affaire, comme dit la Lolo. On veut savoir, on veut avoir les fax. Les fax, Lolo. Lolo, on va avoir le Congo, ça. Il s'était passé quoi au Gabon? Lolo? C'était passé quoi au Gabon? Il y avait eu quoi au Gabon? Un peu Lolo, s'il vous plaît. Dites-moi Lolo, c'était passé quoi au Gabon? Au Gabon? Francesca, Francesca. Personne ne me donne les informations. C'était passé quoi au Gabon? Au Gabon? Lolo, apparemment, apparemment au Gabon, voilà ça. Il s'était passé quoi au Gabon? Au Gabon, il y avait quoi au Gabon? Il y avait quoi au Gabon, Lolo? Dis-nous la vérité. Il y avait quoi au Gabon? Il s'était passé quoi au Gabon? Oh. Rien s'y dorme encore. Ça, on est encore. Il dit que Lolo, il s'était passé quoi au Gabon? Au Gabon. Je veux savoir. Affairez-moi. 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 Il s'était passé quoi au Gabon? Thank you.
C'était passé quoi au Gabon? Il n'y a personne qui m'explique. Il n'y a personne qui m'explique. Oh. Et qui s'était passé quoi au Gabon? Personne ne m'explique. Personne ne me fait le Congo ça. Il s'était passé quoi au Gabon? Au Gabon. Rien. Je veux savoir. Il s'était passé quoi au Gabon? Je voulais savoir. Parce que c'est important. On ne peut pas laisser les trucs comme ça. Il s'était passé quoi au Gabon? Oh, Parisot, c'est comment? Quelqu'un peut appeler ici? Il me dit ce qui s'était passé au Gabon. Hein? L'histoire est grave. L'histoire là du Gabon là est grave. L'histoire du Gabon là est bien grave. C'est un gros problème. L'histoire du Gabon là est grave. L'histoire du Gabon là est grave. Je veux avoir plus de Congos à ce sujet. Vous voulez cacher. Nicole a mis dehors. Nicole a mis ça dehors. L'histoire du Gabon. L'histoire du Gabon là. L'histoire du Gabon. L'histoire du Gabon. Bonjour, bien le bonjour à tout le monde. Merci d'être là ce matin pour le Congo ça le matin. Lolo, ton histoire du Gabon là, il faut que tu nous expliques ça parce que les révélations fracassantes du Lalo Saou, il y a trop de bruit. Lalo au salon. Au salon. Maman. Ben. Et du poisson. Du poisson cuit, du poisson frit, je fais un peu tout. Je sais pas comment il va. Voilà. Je suis au salon. Je disais que la fête de. L'affaire de que Nicole Kétia a sorti sur Lolo là, Lolo, j'espère que c'est faux. Parce que j'espère sincèrement que Lolo, cette histoire est fausse. Parce que c'est pas. Ce que la blogueuse Nicole a dit là, ce n'est pas n'importe quoi. Je peux te garantir que c'est pas n'importe quoi. Que tu as fait que. Tu as monté le coup, on a tué l'enfant de quelqu'un. Parce que tu allais dire à son gars qu'elle a fait que. Pardon, je joue un peu ça ici.
Peut-être que tu as écouté ça, tu penses que c'est rien, mais je te dis, c'est quelque chose. Hein. Il faut que tu te justifies. Hein. Et ma fille Nicole, j'espère que quand tu fais aussi un tel direct, tu es sûr de toi. Hein, parce qu'il faut éviter aussi la diffamation, ma chérie. Il faut éviter les trucs diffamatoires. Hein. Parce que ça, c'est pas n'importe quoi. Hein. Comme elle est bête là, elle peut prendre ça, elle peut dire que c'est n'importe quoi, mais quand t'accuses des trucs comme ça là, c'est pas n'importe quoi. Ah, Guylaine, il voit Malène Mvuto qui te dérange. Malène Mvuto. Vraiment. Une femme qui n'arrive pas à payer le loyer qui dérange les gens. Payer le loyer là, elle n'arrive pas à payer le loyer, on la jette dehors. Eh bien, Mimba sur Internet. On va tout voir au Cameroun. On va tout voir au Cameroun. Donc, Nicole, tu as fait un direct hier sur le loup, là, c'est la magie. On ne peut pas laisser ça passer. Si le loup est vraiment. Si c'est vrai que le loup a des. Le loup est vraiment. Si elle ne dit rien. Je dis que les ténèbres, là, ont déjà tout tué les gens. Les gens des ténèbres, là. Il y avait une fille, là, qui était dans l'église de Dekomamungu. Tellement les gars l'insultaient. Elle est morte. Maintenant, on apprend aussi que la reine des ténébreuses a participé à la mort de quelqu'un. Adama. Les ténèbres et la mort des gens. Les ténèbres ont déjà commis les meurtres, mon frère. L'affaire, si ce n'est plus la blague. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est le plus gros dossier de Facebook. Dans Lolo, tu es obligé de faire une sortie pour parler de l'histoire. Si tu simplifies ça, on va te coller ça à la peau. Voilà. Et dis aussi à ma fille, Nicole, il faut être sûr de. Quand tu fais un tel direct, il faut être sûr aussi que tu peux justifier. Faut être sûr que tu peux justifier ça. Moi, j'encourage pas les gens. Il y a ce qu'on appelle. Il y a ce qu'on appelle. Comment je vais dire, le game, mais il y a aussi les trucs. Il faut éviter aussi. Bah, il arrive à tout le monde de payer le loyer, mais quand tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu la boucles, mon frère. Hein? Quand tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu ne viens pas gueuler sur Facebook, venir dire que tu as l'argent, tu n'as rien. Arrêtez ça. Quand tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu la fermes. C'est toi qui n'arrives pas à payer ton loyer et c'est toi qui viens. Elle est victime de comment je vais appeler ça? Elle est victime de. C'est elle qui vient narguer les gens sur Internet avec les trucs, j'ai ceci, j'ai cela. La femme là même, tu dois la laver qu'à visage, à visage ouvert. On doit même voir ma tête. Malène, il faut que tu saches pourquoi elle est abonnée. Tu là, tu pleures quoi? C'est toi qui venais gonfler ici devant les gens que tu as ça. Tu achètes une chaussure, tu montes, tu achètes ça, tu montes. Maintenant tu pleures quoi? Why are you crying? Hein? Parce que les gens ne montrent pas, vous croyez que les gens n'ont pas. Le mariage, même tu gonflais, mon mari, c'est si. Le mariage n'a même pas duré. Mon frère, tu es une femme à plaisir. Le gros français ne passe plus au Cameroun. Les, je suis docteur, je suis ceci, ça ne passe pas. Paye le loyer. Tu es en train de. Vraiment de Dieu. Ils mentissent. Les gens vivent la vraie vie. Guylaine vit sa vraie vie, on la voit. Elle vit sa best life. Tranquille. Vous venez gonfler, mon mari c'est un architecte. Elle dit que ton mari était un grand type. Payez un loyer au Cameroun, Adama. Quand vous venez mentir sur votre vie, là, ça vous rattrape. Tous ceux qui mentent sur leur vie, ça les rattrape. Voilà. Quand vous venez mentir, j'ai ceci, j'ai cela. Mon frère, si quelque chose ne t'appartient pas, viens pas dire que ça t'appartient. Viens pas gonfler avec les choses. Vous aimez trop ça, vous les Camerounais. Quelque chose, ça ne t'appartient pas. Et toi, tu viens dire que ça t'appartient. Maintenant, quand tu attrapes, tu pleures. Non, c'est que c'est monté, c'est descendu. Vous aimez trop mentir. Voilà. Il y a des gens qui montent des chantiers qui ne leur appartiennent pas. Ce n'est pas pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi. C'est pas pour toi. You shut up. Quand j'ai mon truc à PK12, tout le monde qui arrive à voir, on sait que c'est du Camé qui a ça. Ma boutique est là-bas, c'est pour moi. Tu comprends? Venir s'inventer une vie, vivre selon le mensonge. Et quand on les rattrape, ils sont en train de pleurer. Oh non, on se justifie, on va porter plainte, on va. Hein?
Mon frère, partager mon live, là, j'ai envie de framponner ce matin. On vous dit, contentez-vous. Tu n'as pas. C'est à rien. Tu vois, un gars. Salut, ma fille Nicole Ketcha. Ma vaillante fille Nicole Ketcha. Une fille qui a la poigne. Ouais. Moi, j'ai dit, les gens qui venaient, mais Malène Mvoutou, c'est une crâneuse. Sans moyen. Ça sert à rien de venir Mimba. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Tu viens, tu montes. Quand tu veux monter la belle vie, il faut avoir l'argent. Tu n'as pas, you shut up. C'est elle-même qui vient. Tu viens, tu gonfles. J'ai ceci, j'ai cela. J'ai ceci, j'ai cela. Mon frère, quand ça te rattrape, toi-même, tu vois. Hein? Quand ça te rattrape, venez dire aux gens que tu as. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Tu comprends? Quelqu'un peut même t'aider. Voilà, donc Lolo, il faut que tu nous expliques ce que tu as eu au Gabon. Moi, le dossier, on ne peut pas laisser ça. Bonjour, la tigresse officielle 2. Il faut que tu viennes nous expliquer ce que tu as eu là-bas. Hein. C'est très important pour nous. Hein. Parce que venir donner les leçons, venir être un personnage public, tout ce que tu es, alors que tu as un gros dossier comme ça. Non, madame, non. Non. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer un truc. Déjà, bonjour à mes abonnés. Bonjour aux stars qui sont dans mon direct. La star Nicole Ketcha, la star La Tigresse, la star Guinée Chapuis, la star La Rose Africaine du 230. C'est à qui je dis merci parce qu'elle m'a fait une petite contribution pour le deuil de mon frère. Là. Voilà. Tout à l'heure, là, dans une heure, on sera au deuil de mon frère qui est décédé ici il y a quelque temps. Mm-hmm. Donc, Lolo Fondia, ton dossier là doit être le dossier que chaque blogueur va allumer le téléphone, il va parler. Je suis désolé. Mm-hmm. Voilà. Je réponds à ce commentaire. José Mechou. J'ai eu les problèmes avec Nicole Ketcha. J'ai eu les problèmes avec elle. C'est vrai, on s'est insulté mutuellement. Mais Nicole Ketcha a un bon fond. Elle a un bon. Il y a les gens avec qui il y a les gens avec lesquels tu. Même si vous vous insultez, tu comprends. Il y a des gens que même si tu t'insultes avec la personne-là, tu sais que la personne-là, mine de rien, a un bon fond. Voilà. Vous comprenez un peu? Moi, je me réconcilie avec les gens comme ça. Même si on s'écorche, on se dit tout. Mais je sais que la personne a un bon fond.
Mais il y a maintenant les gens qu'ils ont la méchanceté. C'est-à-dire que ces gens ont le bahat, la méchanceté en eux. Comprenez un peu. Déjà, les personnes là, c'est à éviter. Éviter les ingrats. Parce qu'il y a les gens avec qui tu te coches, tu t'insultes avec ces personnes-là. Mais la personne-là reconnaît quand même que non. La personne-là n'est pas quand même ingrat. La personne n'a quand même que s'arrêter, quoi. Comprenez un peu. Hein. Ce genre de personnes, même si vous avez des problèmes, même si vous avez des PB, tu peux te réconcilier. Voilà. Donc, Lolo, ton dossier, la numéro 11 de Facebook, Nicole Ketia, la belle blogueuse au teint bio de CM Beauty. Le nom même Isaac, je ne l'ai jamais appelé comme ça. Je n'ai jamais appelé Nicole comme ça. Là. Ça, c'est les choses de Komamoko. Voilà. Ton dossier qui est sorti, Lolo, on est obligé de parler de ça. Là, c'est l'introduction parce que je vais bien développer ça. Oui, je vais bien développer ça. Tu ne peux pas avoir un dossier comme ça. Tu penses que les gens vont laisser ça passer. Non, moi-même, j'ai dit que si j'ai un dossier, on ouvre ça. Voilà. Si j'ai un dossier, on ouvre le dossier. Comprenez un peu. Si j'ai un dossier, on ouvre le dossier. Internet est fait pour des gens qui ont une vie claire. La vie de la Starmania, il faut être sûr que ta vie est claire. Si tu as les casseroles, ne viens pas sur Facebook. J'ai aucune casserole. J'ai aucune casserole. Vous voyez un peu, non? Voilà. Voilà. Mais j'ai aucune casserole. Mais ce que je te conseille de faire une sortie rapidement. Parce que sinon, comment sortir sur ton problème là, ça va être gâché. Tu vas devoir t'expliquer. Tu vas devoir t'expliquer sur l'histoire là. On ne vient pas. Regarde, quand tu veux être influenceur, ton dossier doit être propre. Les malins, les photos, les gars, c'est qu'ils les rattrapent. Hein. C'est la même chose. Venez sur Internet, montrer les sacs. Venez dire que ses enfants sont comme ça, réussis. Quand tu viens Mimba sur la toile là, ça va te rattraper. Il y a le rattrapage de ça. Voilà. Donc, dans le lot, tu vas devoir t'expliquer sur ce problème là. Parce que là, c'est l'introduction. Je veux bien entrer dans le problème là pour comprendre ça. Et tu es capable des choses comme ça parce que quand les gnats sont venus m'agresser, c'est toi qui avais monté le coup. Tu as été capable même de payer. C'est-à-dire que tu as donné les dos à un gars de payer mes habits pour venir me monter le coup là. Tu es capable de ça. Moi, je sais que tu es capable de trucs comme ça. Quand les gens sont venus m'agresser, il faut que je vous explique. Je vais expliquer comment Lolo a organisé mon agression. Donc, quand c'est comme Nicole en train de raconter là. C'est le même procédé avec ce qu'elle m'avait fait. Les gens partagés, je suis entre la cuisine et... Il y a une fille que je vois dans le direct ici, là. Où c'est Zoro, la patronne. J'étais vu insulter ma grande soeur, Indale. Et je te vois dans mon direct. Je vais te lessiver, toi, Zoro, la patronne, toi, la femme, là. Donc, vous insultez les gens, vous venez même dans les directs de les gens, hein. Je suis entre la cuisine et le salon. Donc, j'arrive. Zoro, la patronne, je vais te rincer au moins 10 minutes. Tu vas m'expliquer comment tu fais le direct. Tu insultes Indale. La roue du 237, qui est la numéro 12. Parce qu'elle, c'est la 12. Nicole, qui est à 11. Indale, la 12. Comment tu l'insultes? Et tu vas me dire le jour où Indale t'a insulté pour que toi, Zoro, toi, la femme là, voilà. Partagez le direct. On va s'amuser un peu ce matin.
Oui, let's go, bro. Let's go. Voilà, je disais que le loup, j'espère que tu n'as vraiment rien à voir dans l'histoire. Parce que... Voilà. Un bon direct le matin. Lolo, tu avais organisé mon agression. Et tu es une fille violente. Mais ce que je vais te dire, c'est que ton histoire là, l'histoire du Gabon, on a sorti ça, je n'ai pas les précisions que c'est vrai ou pas. Mais quand j'ai vu, quand moi j'ai vu tes agissements, tu es capable de monter des coups aux gens. Mais sache que si c'est vrai, tu vas payer ça. Si ton histoire là est vraie, Lolo, tu vas bailler ça. Tu vas payer l'histoire là. Parce que il y a deux actions que tu as menées qui me confirment que tu es une fille capable de faire des sales coups aux gens. Je suis désolé. On s'écoche. Tu as été capable de venir. Regarde les choses que tu as été capable de faire. Toi qui mets les têtes de moi là. Tu as été capable de venir me trouver à une veillée. Tu m'as trouvé à une veillée. Quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est à la veillée. Il y a quelqu'un qui est décédé. Et tu es venu là-bas m'agresser carrément. Voilà ce que tu étais capable de faire. Venir dans un lieu de deuil. Venir là-bas m'agresser. L'histoire, tu as organisé que moi, les gens m'agressent. C'est toi qui étais derrière ça. Niat est témoin de l'histoire là. Il a dit qu'il est témoin. Il faut que j'explique aux gens comment tu avais fait. Tu as donné l'argent à quelqu'un. Et moi, il dit que le jour où ça me prend, je te dépose une plainte pour l'histoire là. C'est encore parce que, je ne sais pas, je suis tolérant. Je te dépose une plainte et tu vas voir que tu vas tomber derrière l'histoire. Ma chère soeur, parce que l'histoire est vraie, ce n'est plus le Japon. Tu as envoyé quelqu'un commander mes habits. La personne a commandé mes habits. Voilà comment tu as monté le coup, dont tu as financé pour que les gens me fassent du mal. Quelqu'un de la Belgique, un gars qui habite en Belgique. Le gars là, même, je vais sortir. Le problème là, n'est pas fini pour moi. Le problème de mon agression, Lolo, que tu avais organisé, là, n'est pas terminé. Donc, tu es capable. Donc, quand ton histoire du Gabon en sort, tu fais une corrélation avec ce que tu as essayé de faire. C'est-à-dire que tu finances, tu prends les dos, tu en donnes à quelqu'un, il vient, il commande mes ensembles. Et il fallait livrer ça à Porte de la Chapelle. Le gars qui avait commandé mes trucs là, mon gars, il veut ressortir l'histoire là. Il va ressortir l'histoire là. Quand j'arrive à Porte de la Chapelle, regardez bien comment elle a monté un coup. Si tu ne supportes pas les insultes, quitte Facebook. Si tu ne supportes pas les insultes, quitte Meta. Les gens partagez, mettez-moi les cœurs, envoyez-moi les étoiles. C'est une matinale sucrée. Si tu ne supportes pas les injures, Lolo, quitte Facebook. Parce que toi, Lolo, tu as sorti ton argent donné à un gars. 100 euros. Le gars l'a commandé mes ensembles DKM. J'ai dit au gars que j'envoie en Belgique, il a refusé. J'ai dit que j'envoie, il a refusé. Le gars m'a dit, on se trouve à Porte de la Chapelle. Écoutez comment Lolo m'a monté un coup. Écoutez très bien. C'est elle qui faisait le son. Écoutez très bien. Voilà. J'enlève la caméra. J'arrive à Porte de la Chapelle avec les ensembles, avec les habits DKM. J'arrive avec les habits. Le gars vient, il me donne l'argent. Écoutez, regardez un coup monté. Hein. Lolo, c'est toi qui avais fait ça. Et depuis que je parle de ça, tu n'ouvres pas ta bouche. Mais tel que le jour, ça m'énerve, il m'avait au commissariat. Je te dépose une plainte. Le gars qui avait acheté les habits là, j'ai encore son contact. Il va venir expliquer ce qui s'était passé. Et quand je viens avec les habits, le gars paye, hein, il prend son truc. Et directement, je vois 4 gars sortir autour de moi, parmi lesquels Niat, Benjamin Niat sort. On me dit, pourquoi tu attaques Lolo? Vous voyez un peu les coups que la fille a été capable de monter. Le gars me dit, pourquoi tu attaques Lolo? Benjamin Niat.
avec au moins d'autres gars. Il dit que mes attaques de l'eau, on est dans notre histoire de Facebook. En quoi ça vous regarde, les gars? Ça vous regarde pas. On anime les gens, on fait ce qu'on a à faire. Mais ça ne va pas aller au niveau de la violence. Niak me dit, Niak et ces gars-là, ils veulent me violenter. Moi, je leur explique, gars, nous, on est sur Facebook pour amuser notre communauté. On amuse nos fans. Ça peut pas aller, ça ne doit pas aller jusqu'à ce niveau. Je ne pense pas comment toi, Niak, tu vas sortir, vouloir m'agresser avec tes amis parce que j'ai discuté avec Lolo. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter là? Vous comprenez ou pas? Comment Lolo a organisé pour qu'on m'agresse? On aurait pu me tuer. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle a fait? Vous comprenez ou pas? J'arrive, je vais livrer mes vêtements, ma marque de vêtements DKM, je viens livrer, alors que c'est une organisation de Lolo. Donc, j'explique ça pour qu'on comprenne. Donc, l'histoire du Gabon qu'on est en train de t'accuser là, tu es bien capable de faire un truc pareil. Ne fais même pas genre, tu vas être là, tu ne vas pas répondre à ça. Ne fais pas genre, tu ne vas pas répondre à ça. Parce que ce que tu m'as fait, moi, tu m'as fait deux fois, tu es venu à une veillée. Et même la veillée là, tu n'es pas venu seul. La veillée où tu es venu m'agresser, il y avait des gens derrière. Toi, tu devais m'attaquer et les gens devaient venir me poignarder. Quand tu es venu à la veille, là, tu n'étais pas seul. Tu étais venu avec des gens. Donc, c'est toi qui devais commencer. Et derrière, on devait me tuquer. Tu vois ce que tu as été capable de faire, Loulou. Hein? Le jour où tu es venu me trouver à la veille, là, venir sur moi. Moi, je t'ai dit le plan. Tu as fait deux plans contre moi. Tu es venu à la veille, genre, comme en France, on sait très bien que c'est une femme. Si une femme agresse un homme, c'est mal vu, nanani, nanana. Donc, toi, tu es venu m'agresser. Et les gars avec qui tu es venu, eux, en fait, ils devaient me tuquer. Ils devaient me tuquer le couteau. Voilà le plan à me veiller de quelqu'un que tu as fait. Et comme j'étais avec des gens, je suis bien aimé à Paris, les gens ont calmé la fête. Parce que tu es venu dans le noir. Merci beaucoup, Alassane. Tu es venu dans le noir à la veillée. Tu viens, tu m'agresses et que tes amis, dans le cafouillage, en fait, tes gens devaient me tuquer. Donc, tu es une femme très dangereuse et tu vas payer. Lolo, tu es obligé de payer ça. Parce que dans les histoires, là, si tu as l'occasion de tuer quelqu'un, tu vas tuer quelqu'un et tu as déjà essayé de me tuer. Quand la panthère te dit bonjour, tu es dans ce direct parce que tu connais l'histoire. Tu connais l'histoire. Le jour où Niad et les gars. Parce que Niad, quand tu as été même dans le coup, là, je suis désolé, tu es mon ami, mais tu étais dans le coup de Lolo quand elle a voulu m'agresser à la porte de la chapelle. Niad l'a confirmé. Parce qu'il a fallu qu'on t'appelle au téléphone. Quand on la panthère, pour que l'affaire là, il a fallu qu'on t'appelle au téléphone pour que tu dises qu'on me laisse. C'est toi qui as demandé qu'on me laisse le jour là. Parce que tu étais dans le coup de Lolo Fondia pour m'agresser quand on la panthère. Tu étais dans le coup. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de t'appeler? Pourquoi est-ce que moi, les gars m'arrêtaient? Pourquoi est-ce que les gars m'arrêtaient à Port de la Chapelle? Je n'avais aucun problème avec toi quand on la panthère. Aucun problème avec toi. Il n'a même jamais eu un problème avec toi. Tu es un ami. Mais explique aux Camerounais, même en commentaire, tu es dans le direct. Pourquoi? Parce que Niad l'a confirmé. Merci beaucoup à Rassane pour les étoiles. Donc, l'Angalan est vraiment dangereux. Ce n'est pas la blague. Mais l'histoire qui est sortie sur elle, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. On va regarder ça, on va parler de ça. Donc, Lolo avait organisé mon agression par Kanwa la Panthère, Niad Benjamin Barano et d'autres gars de Belgique. Je suis tombé. Elle commande, elle finance, c'est-à-dire qu'elle a fait, un gars a payé, le gars a payé les vêtements, je suis allé livrer. J'arrive là-bas à Port la Chapelle, par Niad sort, il y a trois gars. J'essaye de me justifier. Et c'est là où Niad appelle Kanwa la Panthère. Quand on a panté, tu peux intervenir ici. Tu sais que je ne mens pas. Pourquoi est-ce que tu as été dans ce coup-là quand on a panté? Les shows du Congo, ça. Pour les shows du Congo, ça. Donc, Lolo, tu peux, ton histoire du Gabon ne va pas se terminer. Tu peux me croire. On va parler de ça. Ce n'est même plus le Japon.
Permettez-moi d'aller regarder ma marmite au feu. J'arrive. Donc, aujourd'hui, voilà une histoire qui ressort sur toi. Voilà une histoire qui ressort sur toi, sur le Gabon. Voilà. Voilà une histoire qui est en train de sortir sur toi, sur le Gabon. Je vais mettre le direct de Nicole Kétia. Pour qu'on, si je peux ou pas, je suis en train de charger la tablette. Te voilà aujourd'hui avec une histoire. Te voilà aujourd'hui, voilà une histoire qui ressort sur toi. Tu sais quoi? Parce que il y a des choses que si tu as fait dans la vie, il faut que tu récoltes. Voilà, au cours de ta vie, là, c'est pourquoi on dit aux gens de faire du bien. On dit aux gens, faites que du bien. Parce que le mal que tu as fait, si tu as participé à la mort de quelqu'un, on va savoir. C'est ce qui est dit. Tu es capable des coups foireux. Nicole raconte quelque chose dans son live. Merci beaucoup, Arsène, merci. Nicole raconte quelque chose dans son direct concernant. Ce n'est pas une petite chose. Ne crois même pas un seul instant que parce que tu es en France, tu ne vas pas répondre ça. Tu vas répondre. La fille qui était décédée au Gabon, là, il faut que tu expliques ta participation là-dedans, si tu en as une. C'est très intéressant. Et moi, je t'ai dit qu'avec moi, là, c'est que tu as eu à me faire les agressions, deux agressions que tu as eu à me faire là. Tu comprends? C'est parce que moi, je suis beaucoup plus dans la tolérance. Je suis dans la tolérance. Mais tu vas répondre. Tu as vu le type qui est en prison au Cameroun, là, non? Le type qui t'avait acheté le terrain à Kribi, là. Tu vois comment il est en train de payer, non? Le type qui t'avait acheté le terrain, soi-disant. Tu crois vraiment que s'il n'avait rien à voir, si le type-là n'avait rien à voir dans ça, tu penses qu'on ne devait pas le laisser? Si il est maintenu en prison, là, il a quelque chose à voir dans ça. Parce que dans la vie, ma chérie, tu payes. Tu ne peux pas dormir tranquille quand tu as participé à un truc comme ça, là. Il dit que moi-même, là, tu as failli me tuer deux fois. Et quand tu venais m'agresser à la veillée, là, tu vois, quand tu venais m'agresser, là, le plan, c'était quoi? Je vais vous dire comment les femmes ici, en France, font. Il y a des femmes qui savent que elles peuvent agresser un homme, parce que si l'homme réagit, c'est plus facile d'accuser l'homme d'avoir menacé une femme. Comprenez un peu? Donc, quand une gars dit qu'elle va t'agresser, là, si tu peux éviter, évite. Mais aujourd'hui, heureusement qu'il y a les téléphones ou quoi que ce soit, quand un gars vient t'agresser, tu filmes. Parce que la femme peut venir t'agresser et la police arrive, elle dit, elle commence à pleurer que c'est elle. Donc en fait, les filles profitent de ça. Elle est venue me trouver à la veillée. Carrément, elle s'est mise. J'étais dans le noir. Elle vient m'agresser. Elle était avec des gens. C'était Jean. Quand elle m'agresse, les gars qui vont venir faire comme si ce n'est pas ses amis, et ils me choquent. Voilà les plans de Lolo, les plans machiavéliques de Lolo Fondia, qu'elle a fait contre moi. Pourtant, l'histoire que j'ai racontée sur elle n'était pas faux. Quand on la pentait, tu es dans le direct, c'est que c'est vrai. Voilà. Moi, je suis quand même de vrai, véridique. L'histoire que je l'avais vue sans caleçon n'est pas une fausse histoire. Quand on la pentait, tu n'as jamais démenti, tu ne peux pas démentir, c'est la vérité. Voilà, parce que c'est à cause de toi que je l'ai vu sans caleçon. C'est toi qui as fait, je l'ai vu sans caleçon. Voilà, c'est toi qui avais organisé ça.
Moi, j'aime trop la vérité. J'aime trop la vérité. Je suis un blogueur qui n'invente pas les choses sur les gens. Je n'ai jamais pris, je n'invente pas les trucs sur les gens. Quand je parle, c'est la vérité. Donc, quand je vois tes agressions envers ma personne, et j'écoute l'histoire du Gabon, je dis, mais la différence, elle est où? Tu es prête à tout pour réussir, ma chérie. Est-ce que tu as l'intention de réussir? Parce que si tu faisais ça et que tu avais même... Mava, ou c'est Mava Brown que j'ai dit que... En tant que j'ai besoin qu'elle me réponde. J'attends qu'elle réponde d'elle. Moi, j'ai toujours dit que c'est parce que je prends la tolérance. Tu comprends? Elle a voulu me faire agresser. Elle va pas me répondre. Elle a quoi me répondre? Parce qu'elle sait qu'elle a organisé mon agression deux fois. Elle a voulu me faire agresser deux fois. Je suis même gentil. Elle a voulu me faire tuer deux fois. Tu comprends? J'attends. Elle va répondre à quoi? Qu'est-ce qu'elle a à répondre? Si moi je vais, c'est parce que j'ai mon cœur. On peut régler ça devant les tribunaux. Quand on la panthère est dans le direct, en train d'écouter ce que j'ai dit, qu'il démente en commentaire, je vois. Qu'il essaie de démentir. Niat, vous la confirmez ici que c'est Lolo qui avait tout manigancé. La rose africaine, tu es numéro 12, de fait, tu es une grande blogueuse. Je te conseille même de reprendre. Il ne faut pas que les gens la tatillent dans leur jeu. Voilà. Il ne faut pas que les gens là, eux, tatillent vers leur jeu. Tu n'es plus à leur stade. Moi, je préfère que tu fasses tes directs de sensibilisation. Tu es une blogueuse. Tu as des choses à faire. Ne fais pas ton blog à répondre à ces gens. Tu as des conseils. Il y a aussi le peuple Sawa, des jeunes Sawa qui ont aussi besoin de savoir qu'ils ont une blogueuse qui est là, qui peut les conseiller. Donc moi, je te dis, ne perds même pas ton temps. Fais tes lives sur la sensibilisation. S'il te plaît, allume ton téléphone. Invite les jeunes à travailler. Invite les jeunes à travailler, soit uniquement... C'est-à-dire que le clash ne doit pas te diriger, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas à répondre... Ne sois pas dans le « je réponds à tel, je réponds à tel ». Tu as ton direct sur tes sujets spécifiques. Ne te laisse pas téléguider. Tu réponds quand tu veux. Le jour où tu es content, tu réponds à qui tu veux. Ou bien tu fais d'abord ta sensibilisation. Tu fais d'abord ta sensibilisation et puis tu prends 2 minutes pour ces gens. Parce que ça te grandit, parce que ça ne t'apporte rien. Tu as une image à préserver, l'image d'une femme, d'une blogueuse positive. Voilà, donc ne te laisse pas entraîner à « je réponds ». Ça, c'est une connerie. C'est toi qui donne le temps. C'est-à-dire que tes directs, ne sont pas des directs à répondre au clash. Tes directs, c'est de la sensibilisation. Tu prends ton sujet, introduction, développement, conclusion. Dans la conclusion, c'est là où tu peux répondre. Tu prends 5 minutes pour répondre aux gens. Tu n'es plus à présenter. Tu es une femme vaillante. Tu es une femme qui a un travail. Tu es une femme qui a ton entreprise. Tu es une femme qui a des compétences. Alors, que la racaille ne t'entraîne pas dans la boue. Parce que quand je te vois, ils vont te faire des directs tout le temps. Là, c'est eux qui te dirigent. Tu ne les calcules pas. Et ceux qui te parlent de crotte de nez là, ce sont ceux qui prennent les mains, ils nettoient les fesses et ils mangent le cul avec. Voilà. C'est ceux, quand ils partent chier là, pas, ils prennent les mains, ils nettoient le papier. Et ils mettent ça dans la bouche. Après, ils mangent avec. Ne réponds pas. Quand tu veux faire un direct, prépare tes directs sur la sensibilisation. Si tu as une heure de direct, tu as au moins 40 minutes sur ton sujet. Parce que c'est pour ta réputation. Est basé sur ton contenu positif. C'est-à-dire que ta réputation, c'est ce que tu donnes aux gens de positif. Les clashs, ça te diminue. Leur répondre, tu vas devenir, ils vont te tirer dans la poubelle. S'il te plaît, ma chère sœur, ne programme pas tes directs en fonction des réponses aux clashs. Tu es une femme qui est occupée, tu fais 3 directs par semaine. Tu n'as pas à les répondre tous les jours. Quand tu es sur la toile, tu parles des sujets de société. Cela, c'est la conclusion.
Cela, c'est la conclusion. Il mérite 5-10 minutes. Tandis que tu structures ton live. Bonjour mes roses et mes rosés. Le sujet du jour, c'est sur l'émancipation de la femme. Oui, je pense que beaucoup de femmes ont besoin de notre expérience en tant que femme. Voilà comment tu introduis tes lives sur un sujet précis. Tu fais ton introduction, tu développes ton sujet, tu conclues. À la fin, tu parles de ces saletés-là. Là, tu as plus de valeur parce que tu n'es pas une blogueuse à clash. Tu es une blogueuse parce que moi, je veux la rose que tu te rapproches vers les Lady Sonia, les coachs à mon chic. C'est comme ça. Si tu veux entrer dans les histoires de répondre à la femme mariée, elles vont te traîner dans la boue. Elles n'avancent pas. Donc, si tu suis plutôt les femmes qui sont devant dans le blog, tu es classe. Tu as 3 directs par semaine. Des directs sur des sujets spécifiques. Tu ne réponds pas. Les gens la méritent 1-2 minutes dans tes lives. Eux, ils vont te regarder en train de devenir coach à mon chic. Eux, ils vont te regarder. Ils vont te regarder en train de devenir Lady Sonia. Parce que toi, tu peux devenir comme ça. Tu as du potentiel. Donc, je t'en supplie, mets la croix. Eux, ce sont les crocs des fesses. Ces gens-là, ils se nettoient les fesses avec les mains et ils mangent avec. Donc, en matière d'hygiène là, ils n'ont qu'à laisser ça. Celle qui est mariée au frigo là, quand elle pas chier, elle prend le papier, elle met dans les fesses. Ça touche sa main, même si tu laves n'importe comment. Après, elle mange avec. Donc, il faut laisser l'histoire des crottes de nez là. Eux là, c'est les crottes des fesses. Donc, dirige-toi à être des grandes dames. Excusez-moi, je m'avais tourné mon poisson au feu. J'arrive. Voilà. Donc, on entre dans le blog avec un objectif de devenir une grande blogueuse, d'avoir une belle audience qui fait que une société peut te donner 15 millions pour faire la publicité. C'est-à-dire qu'on est dans le blog avec des grands objectifs. Les clashs te rabaissent, les clashs diminuent ta crédibilité en fait. Tu peux clasher avec des gens, tu les gagnes. Tu clashes, tu insultes, mais ça ne te donne pas une valeur plus que ça. Aujourd'hui, les blogueuses camerounaises ne sont plus hautes. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de monter en puissance, on diminue parce que les clashs, tu comprends? Les clashs, ça te. Tu vois, tu es une belle femme, une femme qui travaille. Dans les clashs, les gens vont toujours simplifier tes efforts. Les gens vont tuer ta crédibilité en fait dans les clashs. Tu es dans le blog pour être plus grande. Plus grande par ta manière, par ton contenu. Plus grande par ta classe. Parce qu'une blogueuse qui veut être grande, elle a son bureau. Tu mets ton téléphone, tu assises, tu travailles. Tu travailles une image.
L'image doit être positive. Le but, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que ton image doit être positive. C'est ça. Parce que allumer le téléphone, le cul de ta mère, tout ça, ça te décrédibilise. Une société sérieuse. Une société sérieuse ne peut pas. L'image d'une société. Une société doit avoir une belle image. C'est pourquoi j'ai dit. Voilà. Quiconque reste dans les classes, tu seras en bas. Tu vas avoir une équipe, tu vas avoir une bande de haineux qui vont te supporter, les bandes de fustés qui vont te supporter, mais tu ne peux pas aller plus que ça. Tu entres dans le blog avec un objectif, je veux être une personne respectée. Et pour être une personne respectée, c'est... Donc, je vais conclure parce que je suis en train d'aller au deuil de mon frère qui est décédé là et tout. Je sais pourquoi j'ai des appels. Je n'ai même pas fait cela. Je vais le refaire plus tard. Donc, on est dans le blog avec des objectifs d'être une personne respectable, une personne qui a une crédibilité. Parce que le blog aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentable. Ça donne aussi de l'argent. Voilà. Pour gagner de l'argent, il faut avoir une belle image. Il faut avoir une page propre. Voilà. Le clash, c'est minimum des 5 minutes à accorder aux gens. Quand tu fais tout un direct, quand tu fais tout un live où tu insultes, je ne crois pas que quelqu'un qui a une société sérieuse peut te confier la publicité de sa société. Parce qu'une personne qui a souffert, qui a créé sa société, n'aimerait pas donner sa société à une personne qui insulte les gens parce que ça détruit l'image de sa société. C'est pourquoi nous, en Europe, on ne gagne pas de publicité. On ne gagne pas de publicité parce qu'on n'a pas soigné. On est resté dans le cul de ta mère, les fesses de ta mère, tes enfants, les personnes ne sera pas respecté. Voilà. Maintenant, s'il y a un conflit, tu peux parler du conflit, mais en soignant ton image. Donc, ma grande soeur, je vais conclure parce que je dois aller au deuil. Tu n'es pas sur Internet pour ce genre de saleté. Tu es là. Il y a beaucoup de gens qui t'admirent, qui te respectent. Tu es sur Internet pour apporter ta connaissance, pour partager ton expérience. Et maintenant, tu es attaqué pour ça par jalousie. Parce qu'il y a des gens, parce que tu as seulement mis ta tête sur la caméra, ils commencent à te détester. Il y a la haine. Comment on gère ça? On gère par le silence. Tu vas voir les Emma Louest, les Emmanuel Keita, comment elles gèrent les haineux. Est-ce que tu peux voir Emma Louest? Regarde un peu. Ça, c'est les méthodes Emma Louest. Les méthodes de Coco Emilia, tout ça. Les ennemis, dans un live, on les donne 5 minutes. Tu n'allumes pas ton téléphone pour gérer les bêtises. Tu as un sujet. Tu es une blogueuse. Les petits gens qui te dérangent là, c'est 5 minutes à leur accorder. Dans le mépris total. Quand tu vas faire le direct, je réponds à tel qui m'a insulté. Je réponds à tel. Et là... Ils t'ont attiré dans les ténèbres. Ils t'ont attiré dans les ténèbres avec ça. Oui, c'est toi, le guide. C'est lui qui donne le temps. Il y a des gens qui m'éclatent, je ne les réponds pas. C'est le jour où je veux que je les réponds. Quand tu es un chef, on ne s'attend pas. Tu allumes ton téléphone. Quand la personne pense que tu as oublié le clash là, c'est là où tu lui sers. Parce que tu es sur Internet. Tu es sur Internet pour apporter quelque chose. Il ne faut pas que ça te dévore. Les gens veulent te dévorer. Les gens veulent te mépriser. Les gens veulent rabaisser tes efforts. Tu comprends? Mais toi, tu ne leur donnes pas l'occasion. Oui. Tu ne leur donnes pas l'occasion. Parce que répondre à certains clashs, c'est donner l'occasion aux gens de te dire n'importe quoi. Il y a des gens, franchement, ils méritent que le mépris total. Tu sais, quand quelqu'un te clash, tu ne lui réponds pas. Quand quelqu'un t'insulte, là, tu lui donnes pas d'importance. Tu sais comment ça lui fait mal? Tout le souhait de quelqu'un qui te classe, c'est que tu lui répondes. Le mépris total. Quand t'insultes, c'est son problème. Tu n'as en rien responsable de sa mauvaise éducation. Tu passes. Mais il ne faudrait pas que cette personne t'entraîne. Tu n'es pas sur Internet pour clasher. Tu n'es pas sur Internet pour répondre aux gens qui t'insultent. Parce que tu ne gères pas ça. Hein? Et t'as dit que les gens qui vont te dire c'est crotte de quoi là, eux, ils prennent les mains. Ils lavent les fesses avec. Même avec l'eau, il touche les caca, il mange avec. Qui va venir te parler des crottes de machin? Donc, ne réponds plus. Ne réponds plus du tout.
programme tes lives, les grands lives, les lives sur des sujets, parce que ça prend l'énergie. Les directs bouffent l'énergie, vous n'avez pas idée. C'est pourquoi les gens qui font les directs là, ils n'arrivent pas à être en couple. Parce qu'ils ont plus de temps à être sur Internet. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous le soir. Je dois partir. J'ai des choses à faire. Je dois être du côté du 78 là. Merci infiniment à vous. Et rendez-vous le soir. La Rose, tu es une femme exemplaire. Tu es une femme exemplaire. Tout le monde le sait. Les gens qui t'attaquent, c'est de la méchanceté. Parce que quelqu'un qui sait ce que tu vaux, mais qui veut te mépriser, quelqu'un qui connaît ta valeur, la personne qui sait que tu travailles, qui insulte ton travail, qui méprise tes efforts, est tout simplement dans la méchanceté. La personne veut te faire douter de toi. La personne veut te rabaisser. Non. La personne te voit le matin, tu vas travailler. La personne sait que cette femme, elle prépare. Mais on cherche des erreurs pour te rabaisser. Tu n'as pas à leur répondre. Tu continues, focus sur tes objectifs. Et toute personne qui est de la lumière, moi en tant qu'un doyen de la lumière, restez sur vos directs instructifs. Ça vous donne plus de la valeur. Il y a des gens là, leur blog n'a pas de sens. Donc, ils vont seulement allumer le téléphone, insulter le matin, insulter à midi. Donc, c'est tout ce qu'ils peuvent donner, c'est insulter les gens. Pourquoi répondre? Regardez un autre là, il m'insulte tous les jours. Est-ce qu'il le calcule? Ma femme là, il m'insulte tous les jours. Il ne me connaît même pas. Il faut entendre comment il parle de quelqu'un qui ne connaît pas. Il ne répond pas. Il n'est pas intéressant. Hein? Il y a les gens là, et ces gens meurent seuls. Quand tu ne réponds pas, la personne meurt seule. On ne répond pas à ces gens, ils vont. C'est-à-dire qu'ils ripent. Eux-mêmes, ils meurent seuls dans leur bloc. Les gens qui s'élèvent, tu peux insulter les gens là. Il faut regarder quand on ne leur répond pas. C'est la meilleure manière de finir avec eux. C'est ignorance totale. Et blocage, parce que je vous donne un secret. Quand quelqu'un ne t'intéresse pas, ne regarde même pas ses directs. Quand quelqu'un commence déjà à t'insulter tous les jours, ne regarde pas. Bloque-le. Parce que la rose, ce que tu fais aussi, tu les regardes. Je ne regarde pas. C'est ici qu'on vient me dire en commentaire qu'on t'a insulté là-bas, on t'a insulté là-bas. Moi, je te bloque, je ne regarde pas. Tu ne vas jamais voir. Quand je suis dans les points avec quelqu'un, tu ne vas pas voir mon profil passer dans ses directs. Non, je te zappe. C'est quand je vais dans mes directs, on va venir me dire que tu m'as insulté. Le jour où je suis content, je te le pends. Je te méprise. Oui, parce que il faut mépriser les gens qui ne vous respectent pas. Les gens qui banalisent vos efforts. Si quelqu'un te méprise, quelqu'un te déteste, pourquoi est-ce que tu vas lui accorder du temps? Non. Parce que même répondre à certains clashs-là, c'est accorder du temps à la personne. J'ai parlé ici de Lolo tout à l'heure. Je vais revenir sur Lolo parce que c'est sérieux. Et Lolo, il faut que tu comprennes que tes agissements, tu vas les payer. Et ce que je suis en train de dire sur moi, là, tu as envoyé les gens m'agresser. Deux fois. La première fois, c'est toi-même qui es venu m'agresser. Voilà. La première fois, tu es venu m'agresser. Et la deuxième fois, tu as envoyé Niat. Et quand on la panthère, je l'ai vu dans ce direct, je lui ai demandé de démentir, si je mens, que c'est Lolo qui l'avait envoyé, qui avait manigancé pour qu'il envoie des gens venus m'agresser. Quand on n'a pas démenti, donc c'est vrai. Ma soeur, je conclue la vidéo en disant que l'histoire du Gabon, il va revenir dessus. Je n'ai pas l'intention, je ne suis pas le juge, je ne suis pas la gendarmerie. Mais l'histoire, là, tu es obligé d'apporter des éclaircissements. Parce qu'on t'accuse des faits graves. On t'accuse des faits graves. Tu peux jouer, je ne réponds pas. Tu ne réponds pas, on t'accuse. Tu aurais quelque chose à voir dans la mort de cette fille-là. On va faire. Ça, ce n'est pas un clash, mais c'est la recherche de la vérité. Ton histoire du Gabon n'est pas un clash. Je ne t'insulte pas. Donc, il y a des gens qui font des témoignages de la mort de cette fille. L'histoire nous intéresse. Merci d'avoir été là, les amis. Merci à Rassan qui m'a envoyé les étoiles. Nous y reviendrons. Parce que le blog, si, avant de venir prendre ta caméra, mettre là que tu es blogueur, tu dois être propre. Il faut être propre. Si tu as le dossier, ça sort. Voilà. Et moi, j'autorise à tout le monde qui me connaît, si tu as un dossier sur moi, l'argent ou quoi que ce soit, viens parler. Donc, Lolo, on t'accuse d'avoir participé à la mort de quelqu'un au Gabon. Source, Nicole Kétia, il faut que tu nous donnes. Il faut
que tu viennes expliquer ça. Si tu veux, tu n'expliques pas. Nous, on va décortiquer. Comme tu décortiques les sujets des gens. Voilà. Donc, c'est ton Djangui qui est sur la table qui est revenu là. C'est très intéressant. Jusqu'à ce que on soit sûr que tu n'as rien à voir dans ça. Même Otam aussi est accusé d'avoir fait les braquages dans l'histoire. Là. Même Otam qui est devenu un blogueur, lui-même il doit expliquer. Ne venez pas sur la toile avec des sales dossiers. Non. On n'est pas blogueur avec un passé noir. On n'est pas blogueur avec... Quand tu sais que ta vie est sale, tu ne viens pas mettre la caméra. Parce que nous sommes les esclaves du peuple. Nous devons être exemplaires. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Allume, fais à cœur ouvert de ça. Et il ne s'en chauffe pas. Qu'est-ce qui s'était passé au Gabon? La mort de la fille, là, tu dois allumer le téléphone, tu parles. Tu n'allumes pas. On va parler. Je vous souhaite une très bonne journée.